Alors, calage allumage 1,3, carburateur gicleur ralenti 45, gicleur principal 97, l'aiguille W7 deuxième cran à partir du haut, le variateur j'ai encore allégé, je pense qu'il faudra encore alléger. Bon, donc 89 km/h, compteur vélo ou GPS, c'est pareil. Là, le GPS avec la nouvelle mise à jour là qui n'est pas encore disponible mais bientôt, je peux voir qu'il y avait assez de satellites et une précision de positionnement qui était bonne et une précision de km/h aussi de vitesse qui était bonne, donc c'est raccord avec le compteur vélo. Bon, par contre le variateur lui il s'ouvre d'un coup sur la fin là, donc je vais encore l'alléger. Et puis bon, ça manque un peu de puissance, ouais. J'arrive à 10 000 tours, tout juste. Le variateur s'ouvre trop tôt, trop vite. Je pense que ça le coupe un peu dans l'élan. Là, je suis dans le... Il y a un léger vent dans le dos. Mais je suis en légère montée aussi. Ça aurait pas changé grand-chose, je pense. Donc, je vais essayer d'alléger le variateur, là, parce qu'il y a besoin. Il s'ouvre trop tôt. Bon, là, j'étais à 9 grammes. Donc je vais descendre au moins à 8, même j'aurais envie de faire plus bas encore. Ouais, 7,5, je vais mettre 7,5, allez. Bon, en même temps je regarde la bougie, un petit rouge brique se fait là, c'est clair mais ça va.
J'enlève la rondelle pour augmenter le rapport volumétrique là, de 0,9 points. Donc je sais plus combien j'étais, 12,9, je passe à 13,8 je crois, je sais plus. Allez, on va essayer comme ça aussi. GPS m'indique plus de 92 km/h. Sur le compteur vélo, je sais pas, j'ai vu 89. Après, j'ai vu un camion arriver de face, donc je regardais plus le compteur. Et d'ailleurs, quand on s'est croisé, je crois que j'ai perdu pas mal de vitesse. J'ai perdu 2 km/h là, rien que son souffle, ça m'a bien ralenti. Mais de toute façon, ça aurait rien changé. Là, je pense que ça plafonne. Peu importe que je augmente le rapport volumétrique. Bon, avec le variateur allégé, c'est mieux. Elle accélère plus fort puisqu'elle est de suite dans les tours. Mais en fait, elle s'essouffle à 10 000 tours. Il n'y a plus rien après 10 000 tours. Hein. Elle ne veut plus rien savoir. Quoi. Après 10 000 tours, c'est fini. Donc du coup, 10 000 tours à une transmission 11,56, variateur 100, ben, ça fait du 90 km/h. Quoi. Voilà. Donc si on veut faire mieux, ben, il faut changer d'échappement. Faudrait que je peaufine un peu la carburation, mais je n'ai pas gagné grand chose. Je vais pas prendre 10 km/h avec ça, c'est sûr. Donc voilà. Bon, ça accélère très fort là. Ça accélère fort, c'est cool. Mais c'est vrai que ça plafonne vite, bon, comme d'habitude quoi. Comme les kits 50 stock là, ça plafonne assez vite. Aussi, avec le variateur embrayage là, les démarrages sont vraiment merdiques. Hein. Ça galère vraiment. Et il faut absolument que le moteur soit dans les 7000 tours là, 6500, 7000 tours pour que ça marche, sinon ça veut rien savoir. Donc là il faudrait vraiment une poulie embrayage pour bien faire quoi. Parce qu'à chaque reprise, dès qu'on s'arrête, ça galère. À la fois si j'accélère trop en grand, c'est trop pauvre, ça s'étouffe, il n'y a pas assez d'essence. Et si j'accélère moyennement, ben, c'est trop riche, ça claque, ça broute. Le bas régime est vraiment pas facile à régler. Et puis tout ça, le moteur lui veut marcher qu'à partir de 6500 tours, de 7000. Donc difficile de régler à tous les étages. Normalement avec une poulie embrayage, on saute l'étape et puis il n'y a pas de problème quoi. Bon, je viens de refaire un tir là, à la fraîche le soir, tranquillou, pas de vent, bonne condition. Et même résultat, tout pareil. Donc voilà, voilà. Il en veut pas plus. Moi, je partirais bien sur le changement d'échappement, mais bon, lui, il va rouler avec ça. Donc, il a un Doppler ER1, sinon. Je sais que ça prend moins de régime, ça, mais ça permet d'avoir un moteur mieux rempli dès les bas régimes, moins de creux, plus agréable. Bon, j'ai été coupé, là j'ai reçu un appel du proprio du moteur là. Puis je suis parti faire l'essai direct, donc j'ai monté le Ninja G2 là, Best Perf, reproduit par Best Perf. J'ai pas mis la rallonge, et je suis parti comme ça. Donc déjà, ça décale vers le haut la plage de fonctionnement, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que on décale de 500
1000 tours vers le haut. Par contre, pour le régime max, bon, c'est pas beaucoup mieux. On gagne 2 km/h en vitesse de pointe. Ça accélère plus fort, j'ai l'impression que ça pousse vraiment plus fort dans la plage de fonctionnement. Mais ça commence un peu plus tard. Et par contre, ouais, ça veut aller chercher plus haut. Pendant l'accélération, le moteur, il marche dans les 10 000 tours à chaque accélération, quoi. Alors qu'avec le G3, c'était un peu en dessous. Mais le G3 était plus rempli à bas régime, ce qui était bien quand même. Bon, je pensais que ça allait débloquer un peu plus que ça, mais pas des masses en fait. Je suis sûr que si je mets l'allumage là qui tient pas le bas régime là, ça je le débloque, je débloque le moteur là de au moins 1000 tours, et ça fait beaucoup sur la VMAX. Mais du coup, le moteur il est hyper pénible après à rouler quoi. Il tient pas le ralenti, et à démarrer c'est une misère. Bon, là il commence à faire nuit, tant que je démonte l'allumage et que je le change, il fera nuit complet et j'ai pas trop envie de faire la pointe sur la route là pendant la nuit. Surtout qu'elle est pas tout à fait droite. Voilà. Par rapport à ce que je dis aux allumages là, vous avez qu'à regarder la vidéo du mal aussi, qui a longtemps que j'ai fait ça. C'est la miniature où on voit les 3 allumages. J'ai fait le test là, et celui que j'ai là, c'est celui qui donne moins de tours en régime max, mais quand même qui est le plus stable et le plus sympa. Je pourrais peaufiner la carburation, mais je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin. C'est sûr qu'en grattant les quelques points de gicleur qui vont bien, je peux gratter quelques kilomètres heure. Mais demain, il y aura une autre météo et il faudra à nouveau régler les gicleurs, etc. Donc grosso modo, on est là-dedans, quoi. Le Vario a l'air un petit peu lourd. Il fait des bonnes accélérations à plus de 10 000 tours. Et vers la fin, il se ferme tout seul. Pourtant, j'ai beau essayer avec la patte de lanceur de résister un peu, mais du coup, ça fait forcer le moteur, donc c'est pas terrible, quoi. Faudrait que j'allège encore le variateur. Mais c'est-à-dire qu'au début de l'accélération, il crierait très fort, pour pas grand-chose. Et c'est qu'à la fin qu'il arriverait à faire sa variation correctement. Donc le variateur, je pense qu'il est un peu usé. Il n'est plus aussi progressif qu'il devrait l'être. Mais voilà. On me conseillait de mettre le Gianelli à la place. C'est vrai que le Gianelli fait des bonnes VMAX aussi. Mais il est creux. Alors que le Best Perf, lui, il est un peu plus rempli. Il commence un peu plus tôt. C'est quand même plus agréable. Et le Gianelli, lui, il est un peu plus dans le haut régime, quoi. Et quand on n'a pas de poulie embrayage, les démarrages sont vraiment pénibles, quoi. Déjà, avec celui-là, les démarrages sont vraiment pénibles. Avec le G3, ça va, ça commence assez bas, donc dans les 6005. Donc on y arrive assez vite, le temps de démarrer, et ça part. Mais avec celui-là, sans la rallonge, en plus, ça commence trop tard, donc on galère vraiment. On va le voir sur la courbe, là. La courbe va mettre beaucoup de temps avant de démarrer. Et après, une fois qu'il est dans la plage de fonctionnement, là, il accélère très fort, quoi. Donc là, dans ce cas-là, il faut vraiment la poulie embrayage, sinon ça marche pas, quoi. Voilà, voilà. Bon, et je vais transférer le moteur sur celle du copain, là. Je vous la montrerai. Et puis moi, j'ai remonté mon moteur d'origine, qui m'attend, là. J'ai dépouillé l'allumage, là. Il faut que je remonte. Le petit 512, là, qui va très très bien. Qui accélère quasi aussi fort que le Doppler. Bon, quand même pas autant, le Doppler il est vraiment une bonne patate, hein. Et en VMAX c'est quasi pareil aussi. Bon allez, on en reste là, je vais passer le moteur sur la sienne là, et puis je vais remonter le mien vite là, parce que ça approche, il reste plus beaucoup de jours là. Ça a frotté. Ça a frotté le cylindre bloc et le cadre. Et voilà. Bon, très content de retrouver mon 512. Cette fois-ci, j'ai monté l'allumage que j'avais sur le Poligny, qui démarre pas toujours très bien. Et le Inel, je l'ai laissé sur le moteur de Nico. Donc on va voir si celui-là il démarre bien. Donc là, c'est à froid, c'est la première fois que je démarre. Ça marche pas pareil.
Bon, ben ça démarre pas aussi bien que le Inel. Mais je sais que lors des tests avec le kit mal aussi, il prenait 1000 tours de plus quand même. C'est pas rien. Mais bon, c'est pénible de devoir kicker 10 000 fois là. Là, j'ai eu la chance de pas l'engorger ou parce que des fois après, quand ça veut plus démarrer, ben, on kick pendant des heures après. Donc il me tarde de recevoir le nouveau Inel que j'ai commandé. Enfin, que j'ai commandé. Sur internet, c'est plus possible d'en avoir, j'ai l'impression. J'en ai trouvé un sur le bon coin, j'ai eu une chance pas possible. Donc il me l'a posté là, je devrais le recevoir dans quelques jours là. Bon, ben la suite de l'aventure Doppler là, du moteur, ça se passera avec la mob du copain là.